Le CC-foot est complètement un boost dans ma vie, sur le terrain et en dehors, et ça me permet de jouer, de rencontrer pas mal de personnes déficientes visuelles, d'apprendre aussi sur moi, sur l'humain, sur la vie. Ça m'a permis aussi de comment pratiquer une discipline footballistique autrement. Voilà, comme je dis toujours, quand j'ai perdu la vue, ça m'a donné une vraie leçon sur la vie. Je vais juste raconter une anecdote, c'est important quand même, pour comprendre le déficient visuel. On développe les autres sens, et notamment l'odorat, et vous allez comprendre. Par exemple, dans un match de CC-foot, la personne qui aime se parfumer, ben c'est une erreur. Parce que sur le terrain, on va tout le temps l'identifier. Et surtout si c'est un dribbleur hors pair comme Yvan. Donc Yvan, s'il met du parfum, tout de suite, il sera vraiment marqué tout le temps. Parce que nous, on développe, mais de façon très très approfondie, tous les autres sens. Dernier point, je le dis avec des frissons, c'est un exemple de mixité et d'inclusion. Pourquoi ? Nous sommes non-voyants, le gardien de but est voyant, les entraîneurs sont voyants, les arbitres sont voyants, le guide derrière le but qui donne des indications à Yvan pour qu'il marque en pleine lucarne, ce sont des personnes voyantes.